feel like this forever. And I'm gonna feel like this forever. Que ça va passer cette fois sans retour de BOT. Il y a du monde pour la reprise. C'est pas terminé. Remis la barre. La barre pour Romine Lévite. But de Benjamin Angouin. 24 ans plus tard, Benjamin Angouin succède à Jean-Philippe Nalet. Par la défense, c'est quoi, Patrao, qui va sur la barre. Très haute, le Marère. Et le Marère pour Devon Romil, qui va dévancer. Oui, superbe. Vincent Papalardo, et par exemple, c'est mieux de doubler. Un bon ballon mis dans le dos de la défense. L'égalisation pour le Stade Briochin. Le but qui est marqué par Saint-Brieuc, ça ressemble à un but casquette. Il va pouvoir récupérer sur le côté droit de la surface. Centre fort de Romil et le MOT qui était venu couper. Penalty. Penalty sifflé en faveur du Stade Briochin sur Ayo. Penalty Briochin de la saison. C'est le MOT qui frappe et qui marque. L'ouverture du score du Stade Briochin, signé Johan Lemeauté sur le pénal. Parce que le ballon a été défié. Corner frappé par son frère, Zana. Allez, premier poteau. Et par Boudo. Et ça sera un deuxième pénalty. Deuxième pénalty pour le Stade Briochin ce soir. Lemeauté, pleine lucarne, parfaitement transformé. Frappa, justement à l'emmener ce ballon. Allez, récupération peut-être à venir. La voici, la récupération avec Zana, allez, qui va frapper au sol. Et qui va tromper Axel Kakou et libéré. Avec Johan Lemeauté pour évidemment revenir au score. La tête et l'arrêt. Et le but en deux temps. Pour trouver là-bas Fontobertas, le centre. Et le but encore une fois. Le but, mon cher Jérôme. Dans les pieds avec Vargas qui trouve dans la profondeur. Et le but encore une fois. Le 3-6. Parce que là aussi, on sent de vraies largesses défensives dans cette défense à 3 depuis le début de cette deuxième période. Encore attention, le but du 5-4, incroyable. Et Abad Allé, pour Charlie Dutournier face au but. La sortie du gardien. C'est dans la surface. Inscrire un but important, c'est parti pour Jordan Blondel. Et c'est au fond des filets. 1-0 pour le Stade Briochin qui prend l'avantage à un quart de. Zana allé pour Scott Kay, la puissance de l'attaquant Briochin. Et puis centre, oui. L'ouverture du score. L'ouverture. Avec ce ballon qui termine au fond des défilés à l'entrée, il y a du choix. Là pour le MOT, ce sera très fort. Deuxième poteau, la tête, la reprise ensuite et l'ouverture du score. L'ouverture du score du Stade Briochin. Qui c'est qui marque? C'est Valentin Lavigne. J'ai pas vu. Ah, il me semble que c'est Lavigne qui met ce ballon au fond des filets. Et non, c'est Kerbrat. 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 Son deuxième but au bout du pied. Fricage et c'est arrêté. C'est arrêté par Paty en deux temps. Et bien comme quoi finalement, Johan. Suivre la déviation au premier poteau. Oh, est-ce que le ballon est rentré? Oui, poteau. Oh, est-ce que le ballon est rentré? Oui, le ballon est rentré. Le ballon est rentré. L'ouverture du score pour le Stade Briochin.